Oui, c'est vrai que le Bénin est le premier pays d'Afrique à avoir fait une demande officielle de restitution, Marie-Cécile Zinsou. Alors, je ne sais pas si le Bénin est le premier depuis les indépendances. Je pense qu'il y a eu plusieurs demandes, mais la France a toujours répondu non, puisque le patrimoine français est encore à ce jour inaliénable. Mais le Bénin a refait une demande à l'arrivée du nouveau président. Ça a été un des premiers gestes culturels du nouveau président qui avait dit que cette fois-ci, il s'intéresserait à la culture. Et il a fait une demande malgré les formes non-recevoir de la France. Le gouvernement de François Hollande a répondu immédiatement non, parce que c'était aussi la fin de son gouvernement, il restait 6 mois avant son départ. Donc ils auraient fait la même réponse que d'habitude, qui était le patrimoine français est inaliénable, les œuvres font partie des collections depuis plus de 100 ans, ce ne sera donc pas possible. Et le président Macron s'est saisi de cette demande et a décidé de changer la réponse de la France. Et alors, je le disais tout à l'heure en préambule, c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est un peu votre cheval de bataille, Marie-Cécile Zinsou, même si la Fondation Zinsou s'intéresse davantage à l'art contemporain. Comment expliquer justement ce combat que vous menez tout de même depuis 15-20 ans? Écoutez, on a eu une chance en 2006, qui était que le président Chirac, au moment de la création du Quai Branly, a dit qu'il fallait que les œuvres du Quai Branly dialoguent vraiment, que le Quai Branly, dont le sous-titre est l'endroit où dialogue des cultures, devait vraiment avoir une réalité. Et du coup, il a dit, voilà, les œuvres sont présentées à Paris, mais elles doivent aller en Afrique. Et la Fondation a reçu les régalias du Dahomey en 2006, et à la grande surprise de tout le monde, sauf à la nôtre peut-être au Bénin, la population est venue par centaines de milliers voir les œuvres qui revenaient pour la première fois depuis leur pillage en 1892. Ce qui nous a confirmé dans le fait que ce n'est pas cette idée commune et ce préjugé absurde que les Africains ne s'intéressent pas aux musées, c'est faux. Il se trouve qu'il n'y a pas de musée, il n'y a pas de collection disponible, on n'a pas accès à notre patrimoine. Ouais. Et succès. En fait, donc c'était un succès. Voilà. C'était un succès populaire, cette exposition au Bénin. Tout le monde est venu, les enfants ont amené les parents ont amené les cousins, enfin c'était 275 000 personnes qui sont venues en 3 mois, c'est énorme. Ouais. Bénédicte Savoie, avec Felwyn Sarr, pour préparer ce rapport, vous avez sillonné plusieurs pays du continent, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, le Mali, je parle de mémoire, et sous votre contrôle. Est-ce que vous avez, sur place, retrouvé cet engouement, justement, dont parlait à l'instant Marie-Cécile Zinsou, s'agissant du Bénin? Absolument, on a rencontré cet engouement qui est différent selon les interlocuteurs qu'on a. Parfois, on est étonné que nos interlocuteurs ne sachent pas, on évoquait ça en première partie d'émission, qu'une partie du patrimoine de leur pays est en France. Mais dès lors qu'ils l'apprenaient, dès lors qu'on montrait des photos, des inventaires, évidemment, la question devient brûlante et l'intérêt pour ces pièces est très grand. Et j'aimerais rebondir sur ce que disait Marie-Cécile Zinsou. En effet, il y a peu de musées sur le continent africain. Mais il n'y en a pas aucun. Et la preuve, le grand musée des civilisations noires de Dakar qui vient d'ouvrir ses portes a été d'emblée aussi un grand succès. À Kinshasa, un musée vient d'être inauguré ces derniers jours. Samedi dernier, effectivement. Samedi dernier, qui montre combien, en fait, il y a un nouvel élan muséal. Et on espère beaucoup que les Africains et les Africaines vont inventer le musée qui leur convient, pas un musée forcément un peu sec et triste comme peuvent l'être certains musées européens, mais un musée vivant. Et l'exemple que donne Marie-Cécile Zinsou avec sa fondation au Bénin, que le musée des civilisations noires est en train de donner à Dakar, que ce qui va se passer à Kinshasa, etc., nous font espérer que le musée va devenir quelque chose que les Africains forment à leur image, à leur désir. Et c'est très important pour ça d'avoir des collections. Sans collection, c'est difficile d'entretenir des musées.